Lorient Odette. Que ce soit ta première et ta dernière fois que tu t'attaques à notre fétiche, le président Alassane Ouattara. Sinon... Merci beaucoup. Nous sommes ici à la résidence de Odette Lorion. Nous sommes venus poliment et tranquillement, gentiment, venir interpeller notre maman Odette Lorion. Parce que pour nous, c'est une maman. Il est important pour nous, jeunes de Côte d'Ivoire, de l'interpeller sur ses dits et son discours de haine à l'encontre de la Côte d'Ivoire et de nos forces de défense et de sécurité, ainsi que le premier des Ivoiriens, le président Alassane Ouattara. En date du samedi, lorsqu'elle était dans le grand centre, elle a eu à traiter nos forces de défense et de sécurité qui avaient été bloquées à Bamako de mercenaires. Et donc, elle avait dit que le président de la République, le président Alassane Ouattara, a pleuré partout pour la libération de ses mercenaires. Nous sommes à sa résidence pour venir dire à Odette Lorion de respecter les institutions de la République de Côte d'Ivoire, de respecter ce qu'elle-même elle appelle mercenaires, parce que c'est eux qui sécurisent la Côte d'Ivoire, c'est eux qui permettent qu'elle puisse vivre en paix et à l'aise, ou qui lui donne le droit même d'aller en tournée et s'attaquer à la Côte d'Ivoire et au président Alassane Ouattara. Nous sommes venus lui dire qu'elle peut tout se permettre dans ce pays, ce beau pays de la Côte d'Ivoire, mais s'attaquer au président Alassane Ouattara, nous n'allons jamais permettre ça. Étant donné qu'elle est une mère, nous sommes venus tranquillement à sa résidence. Hier, nous sommes passés, nous avons demandé une audience. Aujourd'hui, nous sommes venus pour lui dire « Maman, tu peux tout faire, mais ne t'attaque pas au président Alassane Ouattara. Ne traite pas nos forces de défense et de sécurité qui sécurisent nos frontières, qui sécurisent la Côte d'Ivoire, de mercenaires. Ça, nous avons été en première ligne pour les libérations. Nous n'allons pas permettre que ces gens d'injures à l'endroit de nos forces arrivent. C'est pourquoi nous les jeunes, nous sommes venus ici pour l'interpeller et dire que les jeunes de Côte d'Ivoire sont unanimes pour la paix et la stabilité, et nous sommes avec l'État de Côte d'Ivoire et celui qui l'incarne, le président Alassane Ouattara. Donc, Lorion Odette, que ce soit ta première et ta dernière fois que tu t'attaques aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu'à notre mentor, à notre fétiche, le président Alassane Ouattara. Sinon, je vais dormir à votre résidence. C'est parce que nous pensons que vous êtes une maman, que nous sommes allés doucement. Merci, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vaillants soldats, félicitations à vous. Bravo. Merci. Je vais dormir à votre résidence. C'est parce que nous pensons que vous êtes une maman, que nous sommes allés doucement. Merci, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vaillants soldats, félicitations à vous. Bravo. Merci.